Ah bien, salut les petits gars, on se retrouve pour une nouvelle game de X-Defiant. Franchement, la K-47, pour moi, ça fait le taf largement. Après, c'est vrai que j'ai pas beaucoup essayé les autres fusils d'assaut. Peut-être c'est mieux. Mais bon, attendez. Pardon, écoutez. J'ai débloqué tous les accessoires dessus quasiment, donc bon, au bout d'un moment. Parce que quand j'ai le Domination, choix entre une arme c'est full le stuff péage de la guerre. ou une arme à zéro stuff, voilà quoi. On y va comme ça. On est toujours en domination. Secondes. Je crois que Dominez. je vous avais déjà Les fait cette alliés map, se non? déplacent vers la zone C. Mais en vrai, toutes les maps sont bien sur ce jeu, ça c'est un. C'est quand même un grand avantage. On l'a eu. Il n'y a aucune map où je me dis, ouais, celle-là j'ai pas envie. Les Non, alliés franchement, capturent c'est la encore zone plus ou moins B. bien. Mais quel enculé! Vous avez vu ce qui s'est passé? Ma grenade elle a rebondi sur mon pote. On met un petit peu de napalm par là. Je suis dans leur base, hein. C'est pour ça que je suis pas très tranquille. Il m'a tué à la K-47, c'était bizarre parce que j'ai l'impression que c'était un peu une mitraillette comme il m'a tué. Wow, c'est quoi là? Nettoyez. Ah, quand tu veux, tu le tues. Putain, je tirais à côté depuis le début. Bon, ça fait un petit double kill, mine de rien. Par contre, je suis un peu en mauvaise posture. Ah, c'est le mec à la K d'avant. Allumez-les. Parfait. Zone de capture contestée. Incroyable, on a eu la même idée. Notre équipe se dirige vers la zone A. Il a été dans les flammes et il est mort comme ça. Oh putain. Ah, ça c'était un duel de. Digne des Les plus hauts. alliés Hein. capturent la zone B. Ah, franchement. En fait, oh! Je commence à remarquer un truc sur ce jeu, c'est que dès que tu vois un mec. En vrai, ça marche pour tous les FPS, mais dès que tu vois un mec, tu fais un petit saut et tu tires. Parce que sinon, tu vas pas t'en sortir en fait. Il est où? Je sais pas où il est. Putain, il Zone de m'aurait capture tellement vite, non? contestée. Ça, je suis pas trop d'accord. Ok, je me suis. Ok, la visée, c'est pas encore ça. En vrai, ça a jamais été vraiment ça, la visée. La visée à la manette, je me suis jamais vraiment fait. Oh, j'ai bien morflé. Je peux pas monter là? Yes, Ah, je pensais qu'il ferait le tour de l'autre côté, il a fait le tour de ils derrière sont moi. en zone Ok. B. Allumez-les. Je viens après, hein. Il y a un mec là, il est toujours là lui. Zone de capture contestée. Mais je suis pas d'accord avec ça moi. Ah, là je suis mieux. Les mecs, ils ont l'air d'adorer cette zone. Ils ont l'air d'adorer cette porte. Bon après moi aussi puisque j'y vais tout le temps. Mais écoute. On est où là? On est là. On y retourne! Hop là! Oh merde, il était à l'autre bout. Ça, c'est un truc complètement con à faire, mais j'adore le faire, écoute. Dès qu'un mec te tire dessus, tu reviens en arrière et puis tu vas le buter. Sauf que la plupart du temps, ça se passe pas comme ça. C'est un ennemi, ça? Les alliés capturent la zone B. Ah, ça c'était le jump différence. Hein. Merde. C'était le jump différence. Parce que sans sauter, je suis pas sûr que je le tuais. Honnêtement. Honnêtement. Vision sonore ennemie active. C'est pas du jeu. On l'a eu.
Pardon, je suis mort de quoi là? Pistolet? La zone B est attaquée. Je me suis fait one shot au pistolet, c'est ça qui s'est passé? Il y a des trucs chelous des fois dans le jeu, moi je vous cache pas. Je ne vous cache pas qu'il y a des trucs chelous des fois. What? Putain, le mec était au taquet, hein. On fait la même. Non mais écoute... C'est plus normal ce qui se passe là. Ah, assistance, j'avais pas vu. Putain, j'ai bien cru qu'il allait se retourner et me tuer. Vu le rythme où sa vie descendait. Meurs, s'il te plaît. Il meurt pas? Il meurt pas des balles enflammées? Incroyable, je l'ai eu au drone. Incroyable, j'ai eu avec le saut. Putain, mais n'empêche, ce jeu il est chaud. Hein. Ah, j'ai plus. Je lui tire dans les jambes, mais je sais pas pourquoi en vrai. Parce que j'ai pas le full contrôle sur ma visée. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Oh, j'ai bien morflé. Attention, un espion ennemi nous refait son truc de voir à travers les murs là. Ça veut dire que je peux pas le prendre. Je peux pas le prendre par surprise du coup. Non mais allez, tu meurs des balles enflammées s'il te plaît. Putain, 13-17, ça casse les couilles. J'ai impossible de faire une bonne game sur ce jeu. Oui, j'ai vu le snipe, c'est bon. Bon, ce qui est cool, c'est que les snipes, tu les vois de loin parce qu'ils font une petite lumière. Et puis c'est assez facilement repérable. Il m'a eu au fusil mitrailleur, mais alors il avait une lunette x 10 000, non? Pour me voir à cette distance. Mort par une grenade au-dessus de moi. Des trucs, je comprends pas. Non, y'a personne. Oh, alors ça. Soit il a géré sa race, soit il a tout chat. Par contre, ils ont les positions en fait. J'étais concentré sur mon shoot là, mais. Je l'ai vu passer, mais bon, écoute, la position, ça a la priorité, là. D'où il sort, ce fils de pute? Bon, eux, là-bas, ils y tiennent à leur position. Merci. Eux, là-bas, je sais pas à quoi ils jouent. Putain de merde. Impossible de bien jouer dans ce jeu de merde. Série d'élimination 4. On est en 17-23. Oh. Soins procurés. Point de gagner en tant que fantôme. Ah, on était 4 en même temps. On était 4, mais normalement on est 6, non? Peut-être de là que venait notre point faible. Hein. Bref. Ce jeu est extrêmement chaud. Ah. Je vais vous laisser la game, mais bon, voilà quoi. C'était Julien, je vous dis salut, salut. Ciao, ciao, et à la prochaine. Mais franchement, ce jeu, il me casse les couilles. Tellement c'est chaud, en fait. Donc, je sais pas si je vous fais beaucoup de vidéos sur ce jeu, mais on verra. En attendant, je vous laisse avec celle-là. Je vous dis salut, salut, à plus.